Toutes les situations vont être si petites. Mais lorsque l'avion descend, si votre niveau descend, toutes les situations vont grossir. Donc, dans ce niveau, quelquefois, les petites choses, nous les rendons si grosses. Et ensuite, qu'est-ce que Baba dit? Que de transformer les montagnes en boules de coton ou en graines de moutarde. Donc, rester dans un niveau volant. Donc, vous allez devoir le pratiquer dans votre vie quotidienne, soit en y pensant ou en imaginant. Quelquefois, nous faisons que les petites choses deviennent grandes et nous continuons d'en parler. Alors, OK, on se dit, OK, c'est arrivé. Et si nous pouvons le corriger, nous le faisons, n'est-ce pas? Alors, le zèle et l'enthousiasme, ce sont les ailes qui nous font voler. Et Baba dit que le zèle et l'enthousiasme, c'est l'air, c'est la respiration de la vie brahmine. Donc, nous devons porter attention à deux choses. Donc, gardez votre cœur ouvert et gardez votre pureté. Mon cœur. Donc, ne laissez aucune autre vibration atteindre votre cœur. J'ai pensé dans mon esprit différents mots. Alors, ce n'est qu'au niveau des pensées. Alors, ce qui arrive, c'est que l'esprit est connecté avec le cœur. Et donc, l'esprit, quelquefois, avec nos pensées, nous bloquons notre cœur. Et donc, si la circulation n'est pas bonne, alors il y aura... Donc, si la circulation ne se fait pas bien, donc le sang ne va pas au cerveau. Donc, nous savons que l'âme, l'esprit, l'intellect, donc il y a aussi le cerveau et le cœur dans le corps. Donc le souffle augmente tellement, il devient beaucoup plus rapide lorsque vous avez peur, et le cœur, le rythme du cœur aussi augmente. Alors je me dis, oh mon Dieu, mais mon cerveau ne fonctionne pas, je deviens confus. Baba dit, c'est l'âge de confluence, ce n'est pas à cet âge que nous devons être confus, mais nous devons garder notre niveau. Et donc, au lieu d'être dans la confusion, je reste dans le plaisir. Donc, nous prenons tout du murli de Baba lorsque nous sommes en Manabhav. Donc, une sœur écrivait des points. Je lui dis, oh, où as-tu pris ce point? Elle a dit, je l'ai pris des murlis. Donc, tous les points que nous prenons, les sœurs prenaient beaucoup de points. Elles étudiaient beaucoup. Et donc, elles étudiaient beaucoup et ensuite, elles apportaient les points. Et les signaux aviaques aussi que nous obtenons de Madhuban, c'est la même chose. Donc, avoir du zèle et de l'enthousiasme. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose, quelquefois, qui n'est pas bien. Quelquefois, nous faisons des efforts, mais nous devons continuer de faire des efforts. C'est comme l'esprit doit être... Donc, l'esprit et l'intellect doivent rester libres pour nous aider à voler. Donc, je ne sais pas, il y avait 40 personnes. Elle a dit, OK, je vais aller en bas. C'est pour cela que j'y suis allée.
Alors, nous devons garder toujours notre niveau volant. Et maintenant, rappelons-nous de Baba, souvenons-nous de Baba. Le zèle et l'enthousiasme, le niveau volant. Le souffle de la vie brahmine est le zèle et l'enthousiasme. Pour nous, chaque jour est rempli d'enthousiasme. Chaque jour est un festival. Le zèle et l'enthousiasme sont nos ailes spéciales qui nous permettent de vivre le niveau volant. Le niveau volant est le niveau de celui qui donne, est celui du donneur de fortune et de donneur de bons souhaits. Om Shanti.